Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Mécontentement des usagers de la voie Zeplak à Kassato ce matin. Pour se conformer à la décision du ministre des Travaux publics et des Transports, ces derniers vivent le calvaire sur la piste à eux réservée. Nous en parlerons dans cette édition. Les membres de la coordination de l'Union progressiste d'Adjaromain ont célébré ce dimanche 28 février 2021, la victoire du parti aux élections communales d'avril 2020. Vous suivrez le compte-rendu de Jonas Bouchy dans ce journal. Retour de Donald Trump sur la scène médiatique depuis son départ de la Maison-Blanche. L'ancien président a pris la parole pour la première fois en Floride. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Depuis ce matin, ce lundi matin, bien sûr, les usagers du tronçon Zeplak à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi à moto empruntent la voie en terre. Une décision du ministre des Infrastructures et des Transports qui crée déjà des désagréments aux usagers. Suivez le constat fait ce matin par une équipe de la rédaction conduite par Aristide Setti. En raison de la recrudescence et des accidents de circulation sur la route nationale Interétat numéro 2, notamment sur la section Zeplak à Kassato, il est interdit à compter du lundi 1er mars 2021 à 0h aux cycles et motocycles allant dans le sens nord-sud à la Davet à Kassato de rouler sur la chaussée bitumée. La voie en terre, située à l'ouest le long de cette chaussée, est désormais dédiée aux cycles et motocycles circulant dans le sens indiqué ci-dessus. C'est la substance du communiqué du ministre des Infrastructures et des Transports. Une mesure que propose pour le moment le gouvernement afin de limiter les nombreux cas d'accidents de circulation sur la section Zeplak à Kassato sur la route Interétat numéro 2. Entrée en vigueur ce 1er mars, l'application de cette décision du gouvernement n'est pas sans peine. Regardez-moi, je vais au boulot comme ça. Ils n'ont rien fait, on dévie les gens. Ils n'ont qu'à dire aux motos là de garer carrément. De garer carrément, là on ne veut plus voir la circulation des motos dans la ville. Ça c'est autre chose. Ça c'est pénible. C'est pénible, vous voyez la voie là comment c'est. Non. Au lieu d'aménager, avant de dire aux gens, aux usagers de prendre par là, là ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas bon pour nous autres. Puisque on nous fait du bien, on a dit, vous voyez comment nous sommes. C'est pas bon, vous voyez. Hein? Ça nous crée du désordre, c'est du désordre fini. Vraiment une déviation de ce genre. Normalement, on devait arroser d'abord le tronçon, mais ce n'est pas ça. Il y a de la poussière, même on ne peut même pas conduire. On ne peut même pas conduire. Tout est sale. Moi, je vais au service comme ça, vous voyez, non, il y a de la poussière qui salit tout le monde. Et déjà, vous voyez, ça nous rend malade. Ça nous rend malade. Et comme ça, là, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison on a lancé cette déviation-là. La qualité de la piste dédiée, la praticabilité de l'as reste la délicate équation à résoudre. Respectueux de la décision du gouvernement, certains usagers rencontrés s'en offusquent. Même ils n'ont qu'à descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. Ils n'ont qu'à descendre eux-mêmes sur le terrain pour voir ce qui se passe. Même moi, sur le goudron, les voitures même ont de la peine à bien conduire parce qu'il y a la poussière qui va un peu dans tous les sens. Et comme ça, là, c'est pas bon. J'exhorte le ministre des Infrastructures, lui-même n'a qu'à venir descendre, amener ces techniciens, n'a qu'à voir la voie où les motos vont passer. Hein? L'axe Z jusqu'à la chose là, Kassato, il n'a qu'à voir. C'est impeccable, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Avec ça, là, on ne peut pas dire que les citoyens sont à l'aise. Solution partielle ou palliative, ces usagers subiront encore pour quelques semaines le calvaire de la poussière, nid de poule et crevasse. Allons à Adjaromain où les membres de la coordination de l'Union progressiste ont célébré ce dimanche 28 février 2021 la victoire du parti aux élections communales d'avril 2020 placée sous le parrainage de Marcos Daga. Cette fête a eu pour cadre l'école primaire publique centre d'Adjaromain. Jonas Bouchy y était, voici son compte rendu.
fêter la victoire de l'Union progressiste aux dernières élections communales à Clocamain et profiter de l'occasion pour se recharger les batteries dans le cadre des prochaines échéances électorales au Bénin. C'est l'objectif de ce festin organisé par la coordination de l'Union progressiste dans l'arrondissement d'Adjahomé. Pour ne pas rester ingrat envers la population d'Adjahomé qui a cru en nos idées, il est de bon ton que nous soyons là pour fêter cette victoire et rester mobilisés pour les batailles à venir. Nous passons par ici pour remercier M. Daga Marcos qui a su initier cette fête à l'endroit des acteurs politiques de l'arrondissement d'Adjahomé. L'horizon politique s'éclaircit de nos jours au Bénin grâce au président Patrice Talon qui, de par son courage, a balisé le chemin aux jeunes en leur permettant d'extérioriser sans aucune crainte leur aspiration politique, à en croire Marcos Daga, président d'honneur des manifestations. Hier, on avait peur. On a de bonnes intentions, mais on avait peur. Aujourd'hui, nous avons un bouclier solide. Puisque notre leader, notre président, il est quelqu'un de courageux, il est quelqu'un de franc-parler, il est quelqu'un qui ne regarde pas le visage de quelqu'un avant de dire ce qu'il faut dire. Nous devons imiter ses pas. Marcos Daga fait comprendre à ceux qui pensent que les temps sont durs au Bénin que les grandes puissances de notre époque sont également passées par cette étape. Patrice Talon a préféré qu'on développe le Bénin comme on voit les États-Unis, l'Allemagne, le Canada. Ils ont pris par ce que nous vivons aujourd'hui. Ou en quelques termes, vous dites que le temps est dur. Oui, quand eux, ils développaient pour pouvoir devenir ce qu'ils sont aujourd'hui pour nous prêter de l'argent, en ce moment, le temps était dur aussi pour eux. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont utilisé nos aïeux pour aller faire des plantations là-bas, pour aller fabriquer des choses, pour aller créer. C'est nous, Africains, on les a fabriqués. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité d'amener les Blancs pour venir faire des plantations ici. Nous devons réfléchir autrement et développer notre pays avec ce que nous avons. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Pour Kofi Dieudonné Gbedjekan, maire de la commune de Clocamain, cette fête va sceller davantage l'union entre les filles et fils d'Adjahomé. Nous devons continuer par nous unir davantage. Cette fête, pour moi, n'est qu'un signe d'union d'un fils et fille d'Adjahomé. Je voudrais pouvoir continuer par compter sur vous pour que l'union progressiste continue pas s'enraciner davantage ici à Adjahomé. Le maire de Clocamain témoigne sa gratitude à Marcos Daga pour avoir supporté les charges des manifestations. C'est vrai que c'est un travail, mais je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde de le faire. Je sais que beaucoup en font, mais à un niveau donné, il est important qu'on salue les gens qui ont le courage de faire des dépenses à un certain niveau. Marcos Daga a promis ne pas marchander sa disponibilité à accompagner de pareilles initiatives tant que son arrondissement prouve à chaque échéance électorale sa fidélité au parti Union progressiste. Les filles et fils de Wawata dans l'arrondissement de Zinvier ont célébré ce dimanche Wawata Hui 2021, leur fête identitaire. Une messe d'action de grâce a été dite par Monseigneur Antoine Gagné. Suivez ici le compte-rendu. Les festivités de Wawata Hui 2021 ont démarré depuis jeudi par l'inauguration d'un centre de santé à Wawata Fandi et une messe d'action de grâce a été dite ce dimanche par Monseigneur Antoine Gagné pour clore la célébration. Dans son homélie, l'archevêque émérite a rappelé aux filles et fils de Wawata la culture de l'amour du prochain. Présent à cette messe, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, a exprimé sa joie de se retrouver parmi les fils et filles de Wawata. Ma joie ce matin parmi vous est très grande, simplement parce qu'il est question de l'amour. Nous sommes unis autour de Dieu qui est amour et qui nous a créés par amour. Ce que Son Excellence, Monseigneur, a expliqué tout au long de son homélie que nous avons suivi avec grande attention. Puisque le Seigneur le fortifie encore davantage, il a fait 45 bonnes minutes debout, sans être fatigué, en prêchant la parole de Dieu. Monseigneur, vous faites école
d'abord pour les jeunes prêtres qui vous entourent et également pour nous, vos fidèles, qui vous écoutent et qui vous admirent. Pour le maire de la commune d'Abomey-Calavi, cette fête identitaire rassemble pour le développement et non la politique. Nous sommes ici pour le développement. Le développement et non la politique. Le développement intégral de l'homme et de tout l'homme. Il ne saurait avoir ce développement sans l'amour du prochain. Au cours de cette réjouissance, le chef d'arrondissement de Zinvier a invité les filles et fils de Wawata à tous s'unir dans un creuset pour une seule grande fête. On vient bien de me dire que moi, je vais continuer. Je voudrais inviter tous les filles et fils Wawata à cesser les célébrations disparates de fêtes identitaires d'un quartier à l'autre. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2022 de Wawata Hwe. Les membres du fan club de l'émission Wade Aïcha de Diaspora FM se sont retrouvés ce samedi 27 février à Kasato. La deuxième édition de ces retrouvailles a été marquée par la présentation des vœux pour la nouvelle année et le brassage entre membres. Kano François Rumbele-Reto pour le compte rendu. Se retrouver pour se souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 et mieux se connaître, tels sont les objectifs principaux de la rencontre des membres du fan club de l'émission Wadi Aïcha ce samedi 27 février 2021. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du fan club, le président et concepteur de l'émission a notifié le contexte dans lequel ce programme radio a été conçu avant d'exprimer sa reconnaissance envers la promotrice Claudine Afiavi Prudencio. L'émission Wadi Aïcha est créée dans le souci, comme l'indique son nom Wadi Aïcha, est de dissiper les soucis et de mettre la joie au cœur aux populations béninoises et d'ailleurs en privilégiant le rythme traditionnel live de chez nous. Elle est animée tous les vendredis, comme vous le saviez, de 22h à 0h sur la radio Diaspora FM 102.3. C'est l'occasion solennelle pour moi de remercier tous les auditeurs ou auditrices fidèles à cette émission. Je remercie très sincèrement la promotrice, la vaillante dame que vous connaissiez déjà, je vais nommer Madame Afiavi Claudine Prudencio, que je vous demande de le mentionner. Il a ensuite souhaité que l'initiative soit pérenne avant de lancer les festivités. Je souhaite que cette fête ne soit la dernière, mais qu'elle soit plutôt pérenne. Mesdames et messieurs, sous l'effet effervescent de la joie qui m'anime, que la fête soit belle. Comme l'a dit un de nos artistes, mangez-vous bien et buvez-vous bien. Après une agape fraternelle, la deuxième édition de ces retrouvailles a été marquée par la coupure symbolique du gâteau. La fête a été riche par des prestations de quelques artistes du milieu. Pour rappel, l'émission Wadi Aïcha passe tous les vendredis entre 22h et 01h sur la 102.3 Diaspora FM et animée par Matin à Dimon, Koudenoukou. Mobilisation en Haïti contre le président au pouvoir et l'insécurité dans le pays. Des milliers d'Haïtiens ont manifesté hier à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. Reportage. La colère d'une partie des Haïtiens contre Jovenel Moïse ne faiblit pas. Ils étaient plusieurs milliers à manifester ce dimanche dans plusieurs villes d'Haïti contre leur président. Les manifestants dénoncent des velléités de dictature de la part du pouvoir en place et le climat d'insécurité qui règne dans le pays. Le premier message, c'est le peuple haïtien, dans sa diversité, qui rejetait Jovenel Moïse comme président de facto. Jovenel Moïse a été élu en 2015 lors d'un scrutin annulé pour fraude, puis élu de nouveau un an plus tard.
Mais selon l'opposition, son mandat de 5 ans date du premier scrutin et non de son entrée en fonction. Voilà pourquoi elle ne le reconnaît plus comme président légitime. L'article 134.2 de la Constitution haïtienne dit que le mandat du président est terminé. Eh bien, nous avons un président qui est en rébellion avec la loi. Qui est là pour défendre la loi, la justice ? Nous avons clairement dit que nous sommes sous la dictature. Le peuple nous a demandé de prendre la décision de descendre dans la rue avec le peuple de Dieu pour faire entendre sa voix auprès de la communauté internationale. La marche pacifique s'est déroulée sans incident ni confrontation avec les forces de l'ordre. Dans la capitale, un véhicule qui diffusait de la musique d'ambiance a chaviré, faisant plusieurs blessés, ce qu'a déploré Jovenel Moïse. J'ai été informé de l'accident d'un char qui animait la marche de ce 28 février. Des victimes parmi les participants ont été recensées. Je déplore ce drame et présente mes sympathies à leurs proches. Je me tiens aux côtés des Haïtiens, dans les bons comme dans les mauvais moments. Privé de parlement et isolé, Jovenel Moïse gouverne par décret, alimentant une défiance croissante au sein de la population. Face à la grogne populaire, le président haïtien a annoncé l'organisation du premier tour des élections présidentielles et législatives en septembre. Un référendum constitutionnel est également prévu pour juin. Retour de Donald Trump sur la scène médiatique depuis son départ de la Maison Blanche. L'ancien président a pris la parole pour la première fois en Floride devant ses partisans à la conférence des conservateurs. Il s'est présenté comme l'incarnation de l'avenir du Parti républicain, sans oublier de critiquer Joe Biden. Salut Sipak, je te manque déjà. Est-ce que je te manque ? La lumière et le spectacle semblent lui avoir manqué. Pour son grand retour public, Donald Trump a fait du Donald Trump. Offensif et toujours aussi provocateur, l'ancien président des États-Unis est revenu sur son mandat. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour déclarer que l'incroyable voyage que nous avons commencé ensemble, nous avons vécu un voyage comme personne d'autre. Il n'y a jamais eu de voyage comme celui-ci. Il n'y a jamais eu de voyage aussi réussi. Nous l'avons commencé ensemble il y a 4 ans et il est loin d'être terminé. Donald Trump, qui refuse toujours d'admettre son revers à l'élection présidentielle, semble tourner vers l'avenir. Devant une foule acquise à sa cause, il s'est montré très confiant quant à la suite des événements. Pour lui, il n'y a pas de doute, les républicains vont récupérer le pouvoir. Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous reprendrons le Sénat. Et ensuite, un président républicain fera un retour triomphant à la Maison Blanche. Qui sera-ce ? Je me demande. Qui sait ? Je pourrais décider de les battre une troisième fois. Même si elle n'est pas explicite, cette déclaration a tout d'un appel du pied de Donald Trump à propos de la course à la présidentielle 2024. Depuis sa défaite face à Joe Biden, de nombreuses rumeurs sur son retour spéculent aux États-Unis, avec notamment la possibilité de créer son propre parti politique. Une option balayée par l'homme d'affaires de 74 ans. Nous ne créons pas de nouveau parti. Vous savez, il n'arrêtait pas de dire « il va créer un tout nouveau parti ». Nous avons le parti républicain. Il va s'unir et être plus fort que jamais. Je ne vais pas créer un nouveau parti. Malgré les derniers sondages d'opinion plutôt favorables à l'administration Biden, Donald Trump s'est attaqué à la nouvelle équipe en place à la Maison-Blanche. Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l'histoire moderne, c'est vrai. L'administration Biden a déjà prouvé qu'elle était anti-emploi, anti-famille, anti-frontières, anti-énergie, anti-femmes et anti-sciences. Malgré une image sulfureuse, un parti républicain divisé à son égard et une accusation d'incitation à l'insurrection dans l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier, Donald Trump garde la cote auprès des conservateurs. Selon un sondage publié la semaine dernière par le site d'information américain Politico, 53% des républicains sont prêts à voter de nouveau pour Donald Trump aux primaires du parti, loin devant les autres potentiels candidats. Mieux encore, selon un autre sondage du Morning Consult, 81% des républicains gardent une opinion positive de l'ancien président des États-Unis. En Argentine, plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues ce week-end pour réagir au scandale des vaccinations, dites vaccinations VIP. Des proches du gouvernement se sont fait vacciner en dehors des protocoles établis, ce qui a contraint le ministre de la Santé à la démission. Suivez.
drapeaux argentins et hymne national, sur la Plaza des Maillots, devant la Casa Rosada, siège du gouvernement, des milliers d'Argentins viennent crier leur colère. En cause, le scandale des vaccinations VIP. Le 19 février dernier, un journaliste déclare en direct à la radio avoir été vacciné grâce à ses liens avec le ministre de la Santé, Ginés González García. Comme un effet domino, cette révélation met en lumière toute une série de passe-droits vaccinaux accordés à des proches du gouvernement. Ginés González García est contraint à la démission. Les Argentins, eux, sont excédés. Je suis indignée car nous attendons le vaccin. Mon mari a été enfermé pendant 6 mois. Il a perdu sa voix à cause de cet homme qui nous a gardés enfermés. Parce qu'il nous a gardés enfermés. Et maintenant, nous avons le courage de sortir. Alors nous allons sortir, nous devons nous battre. Le fait qu'ils aient vacciné des personnes qui n'avaient pas le bon âge, mais juste parce qu'ils sont proches du pouvoir, ne me surprend pas, car c'est typique de ces personnes. Au total, une liste de 70 noms a été rendue publique. Parmi eux, le ministre de l'économie Martin Guzman, 38 ans, et des membres de son cabinet, eux aussi pour la plupart trentenaires. Alors qu'en principe, seul le personnel soignant et les plus de 80 ans sont prioritaires pour la vaccination dans le pays. 13 plaintes ont été déposées contre le ministre de la Santé, mais pour le président argentin, aucun crime n'a été commis. Mettons fin à ces absurdités. Je demande au procureur et au juge de faire ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de loi pénale en Argentine qui dise toute personne qui vaccine une autre personne qui a sauté la file d'attente sera punie. Alberto Fernandez n'a par ailleurs pas exclu d'autres démissions. Selon le gouvernement, 1 million d'Argentins ont déjà été vaccinés. Buenos Aires a reçu plus d'1 million de doses du vaccin russe Sputnik V, 580 000 du Covishield de l'Indien Serum Institute et plus de 900 000 autres du laboratoire chinois Sinopharm. Madame, messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.